Salut les gens, maintenant on se retrouve pour la deuxième vidéo où on va travailler le doigté 1-3. Alors là, je ne vais pas vous refaire mon petit speech que j'ai fait en première partie de vidéo où je vous détaille sur la première vidéo tous les points sur lesquels vous devez faire attention. Là, on va entrer direct dans le vif du sujet. On va repartir de la case 5. Et cette fois, on va faire le doigté 1-3. D'accord ? Donc voilà, pensez bien. Je ne vais pas répéter, je disais que je n'allais pas répéter, mais je répète. Les doigts bien alignés, on ne soulève pas trop les doigts, homogénéité de rythme, de son, etc. Donc, pas trop rapide le tempo, vous essayez de me suivre et on y va. Ça, c'était pourri. J'avais rapproché le doigt trop tôt. Voilà, là, remis le petit accro que j'ai fait au début, je trouvais que c'était relativement homogène. J'espère que c'était pareil pour vous. Donc vous voyez, j'ai pris un tempo vraiment calme, et ce qui est important, c'est que parfois aussi, pensez à respirer. C'est-à-dire que quand vous faites vos gestes, pensez, vous pouvez faire votre respiration en rythme, par exemple, ou vous caler sur le rythme de votre respiration. Je joue, j'expire. Sentir tout le temps que le corps est oxygéné, parce que si vous jouez en apnée comme ça, vous avez les poumons remplis, vous avez le haut du torse qui va être bloqué, vous avez les épaules qui vont commencer à se crisper, et si vous jouez en apnée, c'est très 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 mauvais. Donc ça crée plein de tensions partout dans le corps, donc pensez-y, on respire et on expire pour vraiment sentir que le corps est détendu, presque comme si vous faisiez de la méditation. Vous vocalisez bien. Voilà, pour être tout le temps détendu. La respiration, ça vous aide vraiment à vous détendre. Donc faites ça et je vous dis du coup à demain pour travailler le prochain doigté qui sera un 4. Voilà, à demain et bossez bien. Au revoir.